Aloha mes vaïnés et vaïnéo, comment vous vous portez en ce 21 décembre? Qui dit 21 décembre? Non mais ça c'est privé, vous ne pouvez pas savoir, mais on va tous et toutes souhaiter un joyeux anniversaire à ma maman d'amour que j'aime à la folie et qui me manque terriblement. Joyeux anniversaire maman d'amour, tu me manques, j'aurais voulu être là avec toi, j'aurais voulu être là aussi à Noël. Ce sera pas le cas, mais on essaiera de se rattraper. Et je lui parle à la caméra comme ça parce qu'en fait, c'est ma plus grande fan. Elle loupe aucune vidéo. Voilà, c'est ma vainée number one. Je vais essayer de ne pas pleurer, mais vu que je ne peux pas être auprès des miens cette année à Noël, voilà, j'ai un peu le cœur gros. Après, je serai dans la famille de mon chéri qui m'accueille à bras ouverts. Donc voilà. Bon anniversaire, maman. Je t'aime très, 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 très fort. Voilà, ça c'était la parenthèse 21 décembre. Je vais essayer d'aller vite dans cette vidéo, plus vite que d'habitude, moins blablaté. Parce qu'en fait, quand je calcule sur les 3 derniers jours, puisque j'étais du matin, et etc., filmé, rattrapé le retard et tout, j'ai cumulé à peine 13 heures de sommeil. Et puis, merci l'Apple Watch pour me rappeler quand est-ce que je me suis couchée et tout. Donc j'ai dormi 13 heures en 3 jours. Va falloir que je pense à me reposer, sinon je ne tiendrai pas le coup. Donc aujourd'hui au programme, nous allons unboxer la look fantastique du mois de décembre. Unboxer les calendriers de l'Avent, tirage au sort, concours et shakeage de bouboule de Noël. Je précise, au cas où il y a un malentendu, hein, non. Allez, c'est parti mon kiki. J'ai été me faire couler le café du jour, enfin du coup d'hier. Très bon. Il est doux, un peu corsé. Légèrement amer, mais très buvable. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Faudra que j'aille farfouiller dans ma Nespresso parce que là, je me rappelle même plus. Qu'est-ce que c'était? Alors, look fantastique. J'ai un lien de parrainage en barre d'infos, mais c'est pour le e-shop, pour faire du shopping, et pas pour la box. C'est une box beauté anglaise qui propose 6 produits de format voyage au prix de 15,50 €. Enfin, moi, je la paye 15,50 € parce que je l'ai pris sur un abonnement de 12 mois. Et pour être honnête, on doit faire un petit bilan 2022 au niveau des box. Je crois que c'est la box beauté qui m'a le plus plu cette année. J'ai pas eu de flop, ou très rarement. J'ai souvent eu des coups de cœur, peut-être tous les mois. Elle se retrouvait dans mon classement. À voir ce que nous réserve cette box pochette du mois de décembre. Donc c'est une pochette en velours. C'est vraiment moute-moute, tout doux. Je vais aller mettre du fond de teint partout. Oui, alors bleu, c'est pas ma couleur préférée, dit-elle en étant habillée en bleu marine, mais bon, ça c'est le boulot. J'aime bien l'idée pochette. Pour moi, ça fait partie d'un accessoire en plus. La box s'appelle Festive. Oui, je me doute bien. Ça serait appelé œuf de Pâques, ils auraient fumé un peu, look fantastique. Lisons-nous le sneak peek pour le mois de janvier. Cool! Oh, moins cool. Ah, enfin, je sais pas. C'est la marque This Works. Alors, This Works, ils sont spécialisés dans des produits à base de lavande. Ah non, ici on a un sérum à l'acide hyaluronique et vitamine C. Bon, ben ça va être le coup de cœur du mois, je crois, de janvier. Top, 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 top. Ça promet, look fantastique. Allez, Mary Poppins est de retour. J'attrape. Oh non, non, alors là, non. C'est la marque First State Beauty. Alors celui-là, si vous ne le connaissez pas, c'est que vous ne suivez pas mes vlogmas. Hein. C'est la troisième ou quatrième fois que je vous montre ce produit. En 21 jours, c'est la crème ultra réparatrice pour peau desséchée. Alors attendez, bougez pas. Et ben chez Glossybox, il n'y a pas très longtemps, il y a quelques jours, voire hier ou avant-hier, je sais plus, on l'avait déjà reçue. Du coup, c'est la même et je vous en ai mis une en plus dans un concours. Voilà, bah, du coup, reconcours, hein, je vous dirai. Est-ce que je m'en garde une? Non, j'ai déjà plein de crèmes pour le corps. Pas transcendée par ce premier produit. Next. Je vais attraper. Alors, un tout petit mini échantillon de la marque By Terry. Bon, c'est une marque que j'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Et c'est ces sérums base de teint lumière, 7 ml. Bon, ça, pour moi, c'est bonus. Hein. C'est trop rikiki. Bah, écoutez, désolé, c'est scellé. Je vais pas le garder puisque c'est glowy. Et du glowy, j'en ai déjà plein la tronche. Hein. Donc ça, je vais vous le mettre de côté hein, dans ces prochains concours. Histoire que vous brillez de mille feux pour les fêtes de fin d'année. Et la teinte, c'est la teinte 4 apparemment. Sunny Flash. Bon, bah, pour l'instant, cet unboxing, c'est pas transcendant. Je vais attraper un joli format pour look fantastique de la marque Medicate. Je pense que ça se prononce comme ça, je suis pas sûre. Et je crois que c'était le sneak peek du mois dernier. Mousse nettoyante micellaire
qui va purifier et nourrir votre peau sans effort, voilà, et à rincer, format mousse du coup en pompe comme ça. Ça, j'aime bien l'idée. Et ça, c'est innovant hein, chez Look Fantastic. Déjà reçu un produit de cette marque Medicate, mais je ne l'avais pas gardé. Je ne sais plus ce que c'était. Si vous en rappelez, dites-le moi en commentaire. Après, j'attrape ceci de la marque Neutrogena. C'est une crème pour les mains concentrée, comme ceci. Je crois que c'est la classique. Alors ça, c'est la crème main de mamie. Ça sent les mains de mamie, ça sent mamie, ça sent la Madeleine de Proust là pour moi, c'est que des souvenirs. J'aime beaucoup, beaucoup cette marque Neutrogena. C'est cool de la recevoir dans une box même si c'est produit grande surface. Joker là-dessus si je garde ou pas. Alors pour l'instant ça ne me transcende pas des masses hein, cette box, elle fait pas rêver. J'aurais vu autre chose chez Look Fantastic pour cette box. Il reste deux produits, je vais attraper... Oh encore ! Oh non ! Le scrub lavant purifiant de Christophe Robin. Ça, je vous l'ai déjà mis, je l'utilise en plus. Ah, j'adore ce produit, attention, mais je crois que j'en ai encore un en backup pour vous. C'est du vu et revu, hein, cette box chez Look Fantastic. Hein. Bon, il reste un dernier produit. C'est un produit make-up de la marque Mina. C'est un eyeliner feutre noir, comme ceci. Alors, j'avais déjà reçu un eyeliner feutre de cette marque, mais marron, que j'utilise de temps en temps, que j'aime beaucoup. Donc, je pense que le noir, il va être pas mal non plus. Et c'est un full size. Voilà, un eyeliner noir. Donc ça, c'était le produit make-up. Mis à part le glowy et ce produit, le thème festif, je ne le retrouve pas. Donc voici l'ensemble des produits reçus dans cette box. Ben, je ne suis pas du tout transcendée. Je suis très déçue. On a des doublons, des triplons. On a des mini-formats. Beaucoup de skincare. J'aurais vu un peu plus de paillettes. Vous voyez, ça ne m'envoie pas du rêve. Et finalement, je crois que je ne vais garder aucun produit. Ben non. Je pourrais presque vous mettre cette box en concours là. Je sais pas, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette box Look Fantastic du mois de décembre. Bon, on va pas oublier que la pochette est un accessoire et qu'elle est vraiment, mais alors vraiment de qualité. Et c'est vraiment tout doux. Ouais. Et bon, en espérant que mes 15, 21 calendriers de l'avant me remontent un petit peu le moral, n'est-ce pas? Je vais commencer par Gloria, case 21. On colore nos lèvres. Enfin un produit make-up, enfin un rouge à lèvres. De la marque Miss Cops. Alors ça, c'est une marque toute pourrie quand même, Miss Cops. Hein. 3,90€. Oui, j'aurais pas mis plus. C'est la marque qu'on peut retrouver chez Jiffy. Alors, rappelez-vous, j'avais fait un crash test full face Jiffy. Je crois que c'était le pire make-up que j'ai jamais fait sur la chaîne. Allez farfouiller dans mes playlists, dans mes vidéos. Donc c'est un rouge à lèvres rouge, raisin comme ça. Moi je préfère les rouges à lèvres raisin. Je sais pas vous, dites-moi comment vous préférez appliquer votre rouge à lèvres. Je pense que après c'est une question d'habitude. Alors c'est sous blister, mais voilà la teinte. Bah, ça ressemble un peu à... ça je vais vous le glisser en concours là, peut-être demain, hein, qui sait. Ok, bon bah, c'est du make-up, mais par contre la marque... Non, c'est ce qu'on peut retrouver, je sais pas moi. Ouais, Jiffy, la foire fouille, tout ça. Ils ont vraiment, vraiment été radins niveau qualité et niveau marque, la Gloria. Glossy Box, c'est une énorme case. Hein, pour un petit tube, mais alors d'une marque que j'adore, Espa, qui est une marque anglaise qui est assez haut de gamme en termes de skincare, on va dire. Encore du glow. Exfoliant de nuit. Pour une peau rayonnante, affinée et pleine de vitalité. Bon, ben ça, je me le garde. Petit format de 15 ml. Ça me réjouit. Ça, je dis oui. Et en plus, j'ai jamais reçu ce produit auparavant dans les box. Il y a marqué à ne pas manger. Do not eat. Sans déconner. Ok, bon, mais ça, je valide. Ça, je dis oui. À tester. Goodie box de la marque ça. Je ne saurais pas le prononcer. Encore une crème pour les mains, au yuzu, je suppose. C'est un full size de 50 ml. Je ne connais pas la marque, donc ça c'est plutôt cool. Du coup, là, en crème pour les mains, mais mon Dieu,
J'en ai vraiment beaucoup, beaucoup. Je vais vous en mettre une de côté, là, c'est obligé. Yuzu, c'est original. Crème pour les mains, ok. C'est un Fossey, je connais pas la marque. Je suis pas transcendée, mais je suis pas mécontente, voilà. Mais en tout cas, moi, mon produit coup de cœur, c'est vraiment celui-ci, quoi. On passe à 110 001 paillettes. Alors, si je me rappelle bien le sneak peek du coup d'hier, c'était qu'il fallait que Avesh, que Doudou, s'investisse. Non, c'était quoi exactement? C'était un truc avec, genre, il va falloir qu'il s'y mette. Cette année aussi, ton chéri doit participer. La case 21 se présente comme ceci, rouge. Alors, je pense que c'est un petit mot parce que c'est vide. Elle nous dit paquet format bonbon papier fleuri. Ok, bon, ben, allons chercher ça. Hey, j'ai trouvé, enfin, je crois. Bonbon fleur. Je pense que c'est ça. Regardez-moi ce superbe paquet cadeau. Ça fait très Sandy. Alors, on dirait une affiche, un poster. Je vais tout déchirer. C'est satisfaisant. Vu la journée que j'ai eue au travail, ils m'ont fait travailler sur 7 vols aujourd'hui. J'ai couru, littéralement couru, en escarpin. J'ai rarement eu une vacation, donc une journée avec autant de vols, autant de choses à faire, autant de portes d'embarquement, d'enregistrement, c'était vraiment trop. Je suis vraiment sur les rotules. Ça se présente comme ceci. C'est scotché, Sandy. Okay. Donc, on va déscotcher tout ça. Oh là. Ça a pris un peu le papier. Je m'y attendais pas du tout. Wonderbox, happy déjeuner à deux. Donc, c'est un bon, je suppose. Je connais pas du tout. On a des Smartbox et des Wonderbox là-haut. Enfin, rappelez-vous, le premier vlogmas, je vous ai dit, y a une étagère tout en haut de la bibliothèque où c'est les trucs de Doudou, moi et les enfants. Ou les enfants et moi, plutôt. Puis, elles ont périmé parce que on n'a jamais le temps. On se croise. On se voit plus avec Doudou. Sandy, je suis hyper méga touchée. Merci. Merci, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. On n'arrive vraiment plus à se voir et du coup, ça, mais... J'en perds mes mots. J'ai pas besoin de te le dire, Sandy. Tu as été là quand je me confie à toi sur ma vie très, très privée. Pour profiter d'un moment tous les deux, vous en avez bien besoin. C'est pas facile. Là encore, par exemple, hier, je suis partie me coucher tard parce que je l'attendais. Il rentre tard, il rentre vers 21h30. J'ai rogné sur mon temps de sommeil pour au moins le voir et lui adresser la parole 5 minutes dans la journée. Et lui, il a rogné sur son temps de sommeil quand, je suis partie me préparer, etc. Et du coup, il s'est levé en plein milieu de la nuit juste pour me faire un bisou. Et ça, c'est notre quotidien. Il y a ça, il y a les enfants, etc. Avec Doudou, on n'est jamais parti en vacances en plus de 5 ans de relation, que tous les deux. Jamais fait de voyage, que tous les deux. Mais on s'aime plus que tout. Merci Sandy, merci, merci, merci. Comment rebondir là-dessus? Case 22, le 22, c'est ma case, c'est mon chiffre. Je suis née le 22 novembre, mon frère est né le 22 décembre. Qui c'est qui va faire 35 ans dans quelques heures? C'est toi frérot. Le sneak peek, c'est parce que je suis Miss Paillette. Ça promet, Sandy. Déjà, je suis encore en pantalon d'uniforme et j'ai encore des putains de paillettes. Merci beaucoup, Sandy. Top, 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 top. Tu vois, j'ai carrément oublié l'unboxing look fantastique et mes petites déceptions calendrier de l'avant. Là, tu m'as fait vraiment du bien. Place au concours incrustation plouf plouf pour savoir qui a gagné le concours Vlogmas d'hier. Donc, 20 décembre. Félicitations à toi. Je t'envoie très, très vite le lien mondial relais. Vérifie tes spams parce qu'il y avait Virginie qui n'avait pas reçu le mail. Et qu'est-ce que je vous ai préparé du coup en case 21? Je crois que hier, je vous ai dit, il y avait plus de skincare. Là, j'ai essayé de vous mettre un peu plus de make-up. Tel en sortant un masque. J'avais envie de vous mettre un masque visage et jasmine dans les bleus pour être raccord avec look fantastique en fait.
cherchez pas. Voilà, petit masque visage. Je me suis dit, les fêtes approchent et peut-être que vous n'avez pas le temps de faire vos ongles ou d'aller faire vos ongles. Donc, on avait reçu ça dans le calendrier de l'Avent Essence. En fait, ça se colle et j'ai entendu que du bien de ces faux ongles style French manucure. Ça peut être une idée si vous manquez de temps. Je vous mets en skincare de la marque Paille une huile de nuit détoxifiante pour visage à base de charbon. Après, du coup, en make-up, je vous mets un fixateur à sourcils sous forme à gel avec le goupillon. C'est comme le Anastasia Beverly Hills, le Brow Fizz, quelque chose comme ça. Donc en fait, avec le goupillon, ici, vous allez venir racler et puis venir fixer vos sourcils. Donc ça, c'est universel. Je ne sais pas pourquoi, quand j'ai préparé le lot, je vous ai mis deux rouges à lèvres. Donc non, je vais vous mettre celui-ci et du coup, on va aller piocher là. Je vais vous mettre ce baume illuminateur qui fait office en fait d'highlighter crème, hein, reçu hier ou avant-hier, je crois, Glossy Box, calendrier Glossy Box. Donc c'est très nacré, très pailleté. Soit vous le mélangez à votre crème de jour, soit vous le mettez ici en highlighter. Et du coup, je vous mets un petit rouge à lèvres rouge, un petit peu orangé, un peu brique, voilà, de la marque W7. Voilà, c'est une petite... petit rouge à lèvres. Et voilà ce qui a gagné dans le concours Vlogmas 21. J'espère que ce lot vous plaira et j'ai hâte de tirer au sort le ou la gagnante de ce lot fait avec tout mon cœur et plein de péripéties finalement. Hein. Avant de quitter cette vidéo, ce Vlogmas 21, n'oubliez pas de checker la bouboule de Noël très très fort pour me donner plein de courage. Ça m'aide beaucoup à tenir le coup parce que là c'est dernière ligne droite et j'avoue que je commençais à vraiment être exténuée. J'avais envie de voir Sandy, c'était prévu qu'elle monte à Paris pendant les Vlogmas, qu'on filme et tout, qu'on se voit une fois pour toutes. Et puis voilà, comme elle a dit dans ses vidéos, mon planning fait que, mais ce n'est que partie remise. On va essayer de s'organiser, voilà, une journée ensemble et vloguer, voilà, faire des vidéos. Donc, shakeage de bouboule. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Je ne sais pas pourquoi. C'est gratuit. N'oubliez pas d'aller voir la chaîne de Sandy. Sa chaîne est en barre d'infos. Hein, ses vidéos Vlogmas et pas que d'ailleurs. Allez la soutenir. Donnez-lui tout plein de courage et d'énergie parce qu'elle aussi, elle est sur les rotules. N'est-ce pas? Enfin, j'imagine. Bien qu'elle laisse rien paraître, cette petite coquine. Moi, je vous dis du coup à demain 22. Alors, je pense que demain 22, ça sera une vidéo très courte parce que mes horaires de boulot font que j'aurai ni le temps de tourner beaucoup et encore moins le temps de monter à vidéo. Donc, ce sera une mini vidéo, mais avec tout plein d'amour. Voilà, prenez grand soin de vous. Je vous aime très fort. Voilà, je ne sais pas comment terminer cette vidéo.